va aujourd'hui vous présenter des exercices pour renforcer un petit peu vos muscles des jambes, pour vous aider à vous dynamiser et à être plus en forme. On va vous présenter trois exercices. Ils peuvent se faire dans n'importe quelle tenue confortable. Vous n'êtes pas obligé d'être dans une tenue sportive. On n'est pas dans une salle de gym. Vous le faites chez vous, tranquillement, quand vous voulez. Le premier exercice, c'est d'être debout avec les deux pieds à la largeur du bassin et de monter sur la pointe des pieds, puis de redescendre. Et dès que l'on va effleurer le sol avec les talons, de remonter une deuxième fois, puis une troisième fois, 10 fois de suite. Ensuite, on fera le même exercice et on maintiendra 10 secondes en élévation sur la pointe des pieds sans bouger, en essayant de ne pas bouger. Top, les pieds sont bien à la largeur du bassin. Vous tenez 1, 2, 3, regardez bien devant vous. 4, 5, abdos serrés, fessiers serrés. 7, 8, 9 et 10, vous reposez. Et on finira par 10 petits mouvements très rapides. Ce qui est important, c'est d'être bien gainé et donc de bien contracter et les abdominaux et les fessiers pour être en autograndissement. Le deuxième exercice, le but est de renforcer les muscles des cuisses et de renforcer les muscles des fesses. On va donc être en fente avant, une grande fente avant, et on va descendre verticalement vers le bas, lentement, jusqu'à avoir le genou qui est vers le bas à mi-hauteur du sol. On va le faire comme le premier, on va le répéter 10 fois lentement, puis on maintiendra la position en bas pendant 10 secondes. Encore 5, 3. Et on finira par 10 petites répétitions rapides. Il est là aussi, comme pour le premier exercice, important d'être tenu, d'être droit, d'être gainé, d'avoir les abdos contractés et de se tenir fort et grand. Bien évidemment, on le fera d'abord avec la jambe droite en avant, puis on le refera une deuxième fois avec la jambe gauche en avant pour faire travailler les deux jambes symétriquement. Le dernier exercice, c'est un exercice d'équilibre. Donc il va s'agir simplement de se maintenir en équilibre sur un pied, les mains dans le dos, d'abord avec le genou tendu, puis avec le genou plié, ce qui fait donc deux variantes à l'exercice. Ça, c'est la première partie facile. La deuxième partie, un petit peu plus difficile, sera de refaire la même chose, les yeux fermés. En fermant les yeux, on perd ses repères verticaux et horizontaux, et donc on est obligé d'être beaucoup plus réactif et de tenir l'équilibre beaucoup plus rapidement. L'équilibre, c'est ce qui permet de réagir au déséquilibre. Ça nous permet de prévenir les chutes. Et puis l'équilibre, il est maintenu par les muscles. C'est les muscles qui nous tiennent en équilibre. Donc c'est un travail musculaire important à faire et qui est souvent un petit peu négligé. L'ensemble de tous les exercices, il y en a pour 3 minutes maximum. Je conseille aux gens de le faire tous les jours ou au moins les jours où ils ne font pas de sport. C'est facile, ça prend pas beaucoup de temps, c'est efficace.